activité. Très bien. Donc, on va faire l'activité maintenant préférée qui consiste à recharger, 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 recharger. Ce qui est extrêmement dangereux, bien sûr. Voilà. Et Pepper Sniper, ramène-toi. Voilà. Ce qui est extrêmement dangereux parce que je n'ai quasiment pas de vigilance et que mes protections sont quasi nulles. Du coup, toi, tu resteras en vigilance. Voilà. T'es face à la porte, c'est parfait. Si quelque chose passe, arrose-le. Mais arrose-le. Donc là, on n'a plus qu'à attendre la sniper. Ah, mais toi, par contre, je peux te mettre à voilà, je vais te couvert quand même. Du coup, tu vas recharger. Et toi, voilà. Théo, tu vas venir là. Et je vais donner la position stratégique à Jean-Michel le sniper. Qui est ici. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Très bien. Et tu vas recharger. Voilà, tout le monde est à bloc. Ok, allez, on va pouvoir y aller. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Une porte. Une très jolie porte. Et derrière, surprise. Derrière, surprise. Et qui pourrait y aller? Personne, bien sûr. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer à l'assaut. Voilà. Bon petit groupe d'intervention là. Tac. Toi, on va te rapprocher un petit peu. Toi, là, tu es très bien goûté. Voilà. Qu'ils osent venir maintenant. Qu'ils osent venir. Ils osent pas. Très bien. Ici, j'ai un petit peu de couverture. Aïe. Ok, nouvelle salle. Ici, je pourrais avoir un appui sniper assez intéressant. Ça revient derrière. Ok, très bien. Ok. Alors, voyons voir comment ça va réagir. J'avance tout mon petit monde. J'espère qu'on va aller s'engrouper si je fais pas une connerie. De toute façon, on va blinder. Je vais te rapprocher au cas où. C'est tout fagnon. De toute façon, toi, tu me sers à rien là. Tu me sers à rien, tu ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur de la salle. Faut pas oublier que là, voilà. On voit pas comme ça, mais. Il y a des murs quand même. Donc voilà. On tape une position offensive. Et vous les pépères, par contre, vous allez. Voilà. Et. Ah bah c'est. Je sais pas comment rester un, mais non. Ok, il me laisse un peu de répit. Ce qui est une très bonne chose. Je continue de ce côté-là. Et toi, je passe de ce côté-là. Voilà, c'est décidé. Ok, ce qui fait que. Ok, donc vous ici et vous ici. Voilà, j'arrange tout le monde, hein, même les soutiens. Tant pis. Et je vais très précautionneusement. Et du coup, vigilance. Alors, quelqu'un ou pas quelqu'un? Coucou. Pas quelqu'un. Très bien. Alors, ici, d'accord. Là, c'est du sprint. Sauf que là, ça ne m'arrange pas. Pas des masses, même. Là non plus. Ok, on a personne. Alors là c'est ok. Je vais ramener d'abord toute l'équipe hein, si ça ne vous dérange pas. Ah, je te mets à découvrir, j'aime pas mais. J'aime pas trop ça, mais
Au moins sniper. Au moins toi. Alors, c'est pas toi que je voulais, d'ailleurs. Voilà. Toi, tu peux sprinter. Tu vas venir là pour sprinter. Parce que pour le coup, là, on va avoir une vue assez dégagée. Et vous deux, du coup, pour l'instant... Voilà. 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 Ah, pardon. Voilà. Ok. Bien. Bien, bien, bien. Donc. Progresse. Toujours rien en visuel. Je progresse, je m'étale, même j'ai envie de dire. Tac, tac. Je prends possession de la base. Plus long, hein, excusez-moi, c'est un peu plus long, mais je ne prends aucun risque. Parce que si c'est la mission finale, j'ai pas envie de la foirer. Et je ne sais pas ce que j'ai en face de moi. Si c'est le boss final, peut-être un super psionique, je sais pas, mais. Ok. Ok, c'est bien ce que je pensais, c'est un super psionique. Un super éthéré. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Voyez, le plus grand échec. Des éthérés, nous qui n'avons pas évolué comme ils l'espéraient. Nous qui avons été bannis, condamnés à nous nourrir du don d'êtres inférieurs, en tentant de les parfaire, de les mener sur la voie de l'avenir. Ouais, vous avez fait une manipulation en génétique, quoi. Ok, la chasse ok. Touche à sa fin. Oh là, 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 oh là. Elle est née de notre vanité. Ok, donc on a de la deux éthérés. Face à une forme physique devenue inefficace. Trop de mental, je pense que ça ne sert à rien. 4 tours, ok, j'ai rien dit, c'est marqué dessus, en fait. Et ému par nos propres restrictions. Elle semble enfin prête à aboutir. Pas si bas, je respire et tu vois. Toi, il te reste une roquette. C'est 6 assurés. Et ça lui supprime. Oh, les éthérés vont me faire chier. Combien? 35%, c'est pas assez. Toi, combien? 44%. Merde. Merde, merde. Est-ce que. La grenade, ça fera que dalle. 3 dégâts. 3 dégâts. Après, il vaut mieux que je lui tire dessus. Okay. On va commencer par une roquette. La roquette, c'est toujours à peu près fiable. Est-ce que si je fais ça. Je tente. Si je peux toucher tout le monde, 2 au lieu d'un, ce sera en plus parfait. Bah parfait, voilà. Donc là. Bonjour. Toi. T'as plus de. Voilà. Psychose 5. Là c'est 10. 44%. Sauf que si je le mets en suppression. Allez, il va pour la suppression, ça lui fera des dégâts plus. Voilà. C'est toujours ça de prix, sauf que c'est éthéré. On va faire déjà celui-là. Voilà, 5 de dégâts, super, c'est nul. C'est très très nul. Une roquette. En une roquette, je peux faire 6-6. Si je peux toucher les terres en plus, c'est parfait. D'accord, ça ne touche pas, dommage. Donc là, il reste 2. 3. C'est un terrain que tu peux toucher, toi. Si tu touches,
Bien. Bien. Et enfin, il va me rester Jean-Michel Sniper. Ça, ça ne sert à rien de faire ça. On va tout le temps faire ça. De toute façon, tu ne vois que lui. Donc, feu. J'ai peur de la réponse de Jean-Michel Super Éthéré. Ça fait chier. Allez, c'est parti, croisons les doigts. Rien ? Une réponse ? Sérieusement ? Ok. Ok. D'accord, j'ai pas compris en fait, excusez-moi. J'ai juste pas trop compris ce qui s'est passé. Pourquoi ils ont pas attaqué. Non, toi t'as 80 toi. Toi tu as 80, tu me dégommes. Voilà, parfait. Ensuite, nous sommes ici à 35. Nous sommes ici à 44. 54, ce qui lui infligerait 5 de dégâts, j'ai plus de chance. Ça c'est mort. J'ai plus de chance avec ça. Bizarrement, j'ai plus de chance avec ça. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Merde. Merde. Ici j'ai plus rien. Sauf que du coup, vigilance. T'attirer. Alors toi je te cache pas que ça me fait chier. Parce que là tu me sers à rien en fait. Là je vais prendre des risques avec Jean-Michel Sniper. Mais je vais prendre des risques. J'ai besoin qu'il soit opérationnel. Qu'est-ce que tu fais? Contrôle mental? Non, pas contrôle mental. Non. Oh putain merde, contrôle mental et t'as pas résisté. D'abord ça. Combien tu peux lui faire lui? Ok, très très bien ça. Très très bien ça. Ça, je lui ai fait très mal. Toi, tu ne vois. Si je peux l'éliminer, lui. Ceci lui fera 3. Est-ce qu'il est immunisé contre la tourmente? Parce qu'auquel cas, l'autre, je pense que ça lui fera rien, une tourmente. Toi. Non, c'est pas toi que je voulais. Non plus. C'était toi que je voulais. Ah, raté. C'est pas ça que je voulais. Je peux pas voir ses stats à l'autre là. Non. Non, bah non, je peux pas. Hein. Je peux pas seulement si je l'ai en visu. Attends, il l'a placé en plus. Heureusement qu'elle est aussi mauvaise quand elle est sous possession alien que... Merde. Ça y est, je t'avais oublié toi. 35%, c'est naze. Ok. 60%, c'est mieux. Merde, c'est quoi ça? 1, ok, ça me va. Ça, ça me fait chier. Que j'arrive à m'en débarrasser. Je crois en ma chance. Je crois en ma chance. Non, je pense une tourmente. Tant pis. Je balance la tourmente.
Ce n'est pas la foi à suivre. Ce qui devrait. Vous avez besoin très bien. De nous pour maîtriser ce pouvoir. Sans nous, vous n'êtes rien. Toi, Sprint, s'il te plaît. De toute façon. Putain, il me renvoie tout l'enfoiré. Faut que je le tue avec un. C'est-à-dire qu'il faut que je le tue avec un. Putain, s'il me balance une tourmente là aussi. J'ai pas pensé à ça. Deuxième contrôle mental, évidemment. Évidemment. Ça aurait été trop facile de passer outre. Oh non, 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 pas sniper. Putain, je voulais m'en servir pour te tuer. Alors non, toi non, quand même, on va pas ça, putain, ça fera pas assez. Je vais prendre des dégâts, sourcil. Je vais prendre des dégâts. Bon, il a pas raté, c'est déjà ça. Au moins, c'est déjà ça. Réfléchis. Est-ce que je peux... 35% de précision, c'est pas assez. Est-ce qu'il me reste une roquette? Non. Est-ce qu'il me reste une roquette? Non. Toi, tu ne vois personne. Ce qui ne m'arrange guère. Toi, t'as plus rien à faire. Surtout que c'est lui qui me fait chier. Ta grenade, tu ne la lances pas assez loin. Très bien. Qu'est-ce qu'il me reste comme option? Donc ça, non, j'ai pas envie de le tuer, mon sniper. Je peux pas me déplacer ici, j'ai plus. Non, j'ai rien pour mettre en haut, en bas non plus. Ici, je t'aurais voulu les deux. Non, dommage. Et il est juste là. Je vais réessayer un tir. Donc ça doit vouloir dire que je ne peux pas m'en débarrasser comme ceci. Putain, Pierre, avec la Jean-Michel Snipey, laisse tomber les dégâts. On va faire ça. Là, on va se protéger. Là, on va faire ça ici. 24% de chance, c'est pourri. Donc on va plutôt faire ça, ça. En espérant qu'il me le renvoie pas dans la gueule. Non, très bien. Ah, je peux peut-être l'avoir comme ça, il suffit sur un tour. Un tour. Je ne demande qu'un seul tour. Ok, toi tu m'as fait mal. Il a pompé de sa vie, merde! Ok, ça c'est bon. Toujours aussi mauvais. Ça m'arrange. Pourquoi tu tires deux fois? Cause bordel. Putain, il le fait tirer deux fois en plus, j'y crois pas. Lui aussi va tirer deux fois. Donc non, c'est pas assez ça. Tant qu'ils l'auront en contrôle, ça, ça lui fait 5, mais c'est que 24% de précision. Il faudrait que j'aille au cac, hein. Il faudrait que j'aille au cac, mais sauf qu'il y a ça, la barrière, là. J'avais pas vu, mais il y a ça, là. Je sais pas ce que c'est, mais... Une prison, je sais pas. Je ne sais pas. Toi, tu n'as aucune utilité pour l'instant. Pardon. Toi, j'ai d'autres choix.
Faudrait que je puisse te faire remonter ici. Oui. Sans faire un sprint. Voilà. Et du coup, tu ne vois plus personne, merde. Déplacer comme tu veux. Ok, donc ça comptait comme un déplacement. Toi, 65%. Ouais, je tente, hein. Ah, ça touche. Et c'est fini. Enfin, c'est fini. Yes. Je crois qu'on a perdu Théodore. Oula. 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 Qu'est-ce qui se passe? Fais pas le con, Philippe. Fais pas le con, Philippe. Qu'est-ce que tu fais? Tu te sacrifies? Faut que tu me concentres, c'est ça. Hein. Sinon, qu'est-ce la terre que va exploser. C'est que ce bordel? Le vaisseau lui-même. Il agit comme une étoile mourante. Il devient un trou noir. À cette distance, la Terre sera absorbée. C'est un trou noir en plein sur la Terre, dans l'orbite. Oh, la classe. Cette classe. Le sacrifice ultime pour sa planète. Centrale, je dois me replier. Le paquet n'est pas à bord. J'ai attendu le plus longtemps possible. On est qui ? Chef, le vaisseau extraterrestre est en mouvement. Quelle direction ? Quelle direction ? Il monte. Tellement beau. Petite larme. La fin. Mais est-ce vraiment la fin? Deuxième vague arrive. De nouvelles options de jeu personnalisées sont désormais disponibles dans votre prochaine partie Discord et Mieno. Je vais utiliser l'option deuxième vague dans le mode difficulté pour accéder aux nouvelles fonctionnalités. Et voilà, victoire en mode normal. Oh joli, hein. On voit que j'étais très très bon par rapport au monde. Hein. Jour avant la victoire 193. Ah, par contre j'étais plus rapide. Bataille gagnée 30 contre 40. Bataille perdue 0. Bien. Extraterrestre. Ah oui, par contre là j'en ai tué beaucoup moins. J'ai perdu un soldat. On y repensera. Ok. Pays perdu 0, très bien. Ok. Suivant. Dégâts moyens partir, 6. Ah, par contre, c'est pas très très mal. Hein. Ok, très bien. C'est stats. Ok. Et enfin, les ressources. Voilà. Ah, pile poil dans les dates. Allez, 78. Parfait. Eh ben écoutez, sur ce, ça ferait un épisode un peu long. Je sais pas si je le mettrai en deux parties. Si, je pense que je vais le mettre en deux parties parce que ça fait quand même quasiment 50 minutes de vidéo.
En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce let's play de XCOM Enemy Unknown. Mais ne vous en faites pas, puisque... Qu'est-ce que ça débloque? Ok. Ok. Ok, d'accord, ça augmente en fait la difficulté. Très bien. Mais comme je disais, ne vous inquiétez pas, puisque il y a Enemy Within maintenant. XCOM Enemy Within. Donc nous allons continuer un peu l'histoire XCOM, même si nous avons réussi à sauver la Terre. Donc tout va bien. En tout cas, encore une fois, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, enfin ces vidéos, parce que du coup je vais splitter en deux. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce vert bleu. Maintenant, un commentaire, partagez la vidéo si vous l'avez apprécié, c'est toujours un petit aide qui fait plaisir. Et je vous dis donc à très bientôt pour le début de XCOM Enemy Within. Allez, à plus tout le monde, salut salut.